Coucou mes amours, coucou mes chéris d'amour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment éradiquer les vergetures une fois de plus. Vous vous souvenez mes amours, je vous avais déjà prévenu ou alors je vous avais déjà dit que je reviendrai souvent parfois sur des thèmes mais avec des ingrédients différents. La dernière vidéo que j'ai faite par rapport aux vergetures, beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire qu'elles ne pouvaient pas entrer en position du BE. Donc je leur ai promis, je reviendrai encore et encore avec d'autres ingrédients jusqu'à ce que chacun puisse trouver son compte. Jusqu'à ce que vous me dites que ok Marie-Lonie, voilà j'ai trouvé ci. Donc aujourd'hui on revient mais cette fois avec d'autres ingrédients épatants. Vous savez la plupart des femmes souffrent des vergetures, cela peut être dû à des grossesses. Bien mes amours, je vais arrêter de bavarder, je vais pas beaucoup bavarder aujourd'hui, ok. On va juste se lancer dans la recette. Mais avant, si tu t'intéresses un temps soit peu à ta santé, si tu veux toujours recevoir les meilleurs remèdes, astuces maison, si tu veux recevoir les meilleurs conseils de motivation et de vie, alors abonne-toi sur la chaîne Marie-Lonie Coach. De plus, si tu es nouveau, alors abonne-toi tout de suite. Dis-moi en commentaire de quel pays tu me regardes, de quel pays tu m'accompagnes. Tu sais que cela me fait énormément plaisir de le savoir. Donc mes amours, sans plus tarder, on se lance dans la lutte contre les vergetures. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quelles en ont été vos impressions. J'espère que la vidéo vous a plu. Suivez-moi également sur Instagram Marie-Lonie Coach. C'était tout pour cette petite astuce concernant les vergetures. Je vous ai toujours dit, je reviendrai avec d'autres astuces, d'autres ingrédients dans tous les domaines. J'ai tellement de choses à vous montrer, à vous partager, mais on va y arriver progressivement. Je le fais également en fonction des préoccupations des uns et des autres. C'est pour ça que ne vous étonnez pas, ne vous fâchez pas si vous voyez par exemple que je traite un sujet pendant longtemps. C'est parce qu'il y a beaucoup de préoccupations en commentaire. Du coup, je fais attention à ce que vous voulez, à ce que vous me dites. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous avez vu, c'est très facile, ce n'est pas compliqué. Si vous ne trouvez pas encore les ingrédients, dites-moi toujours en commentaire et puis on va y travailler. Je vais vous montrer d'autres choses qui seront toujours à portée de main. Bien mes amours, mettez-moi un max de likes, commentez surtout. J'aime lire vos commentaires, vous le savez. D'ailleurs, je vous le dis souvent. Donc, commentez, likez, partagez, mettez-moi un max de pouces, un max de pouces comme ça. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien mes chéris. Bisous, bisous.